Bonjour, donc on va commencer, on va démarrer notre session en attendant l'arrivée de d'autres amis et collègues avec nous, notamment Nadège et Sid Ahmed Soucy, et en attendant aussi que trouver une solution technique du problème du son. Là, je tiens. Nadège, on peut t'entendre. Bonjour, Nadège. Tu m'entends? J'espère que le problème ne se pose pas aussi pour vous. Bonjour. Ah, bonjour, très bien. Donc, le problème du son est réglé. Fabrice, pas encore? Donc, je vais demander aux intervenants de se présenter une fois, suite, après avoir introduit les questions principales de cette session organisée par l'OTS, l'Observatoire des transformations sociales et Global Economic and Social Forum. Et notamment nos amis Laurence et Benjamin qui ont essayé, bien entendu, de nous rendre la tâche facile grâce à leur mobilisation et grâce à tout le staff, justement, qui organise des sessions intéressantes, très riches, et qui permettent, bien entendu, d'écouter, d'entendre les avis des uns et des autres dans les quatre coins du monde. Donc, je tiens à les féliciter, à la formation sociale. Bien entendu, cette session aujourd'hui, bien pour comme une session africaine dans le cadre du forum du Mexico qui est organisé par le Global Social and Economic Forum et qui permet justement de faire écouter la voix de l'Afrique au niveau de la co-construction des politiques de l'économie sociale et solidaire. Et bien entendu, c'est à partir de là que la question qui se pose dans notre continent africain, c'est comment justement arriver à concilier les pratiques traditionnelles enracinées dans la culture et dans le paysage socio-économique. Enregistrer une avancée assez importante en termes de co-construction des écosystèmes de l'économie sociale et solidaire. C'est à partir de là que nous avons invité plusieurs acteurs et chercheurs justement pour donner la parole au terrain, au territoire, donner la parole à ces expériences pour s'exprimer. Et s'exprimer et développer une autre posture du développement de l'économie sociale et solidaire en Afrique et leur permettre, bien entendu, de proposer des pistes de solutions qui vont, bien entendu, permettre à d'autres pays, à d'autres expériences de s'enrichir et de comprendre comment on peut mettre en place des mécanismes pour outrepasser les problèmes inhérents. Donc, je tiens à féliciter à tous nos intervenants et je peux commencer par donner la parole avant de la reprendre aux différents intervenants pour se présenter et je reviendrai pour leur donner
10 minutes chacun pour justement présenter un exposé ou bien échanger avec nous autour d'une question principale qui est de leur choix. Donc, vas-y, Nadège, tu peux te présenter, s'il te plaît, présenter ton institution. Oui. Nadège, tu m'entends? Donc, en attendant, je commence par Youssef Loux. Tu peux te présenter ton institut. Vas-y. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Youssef Loux, donc président de réseau associatif Esprit d'initiative de l'économie sociale et solidaire au Maroc, et également membre de l'OTS, l'Observatoire de transformation sociale. Donc, je suis docteur en politique publique de développement social, et on a travaillé sur plusieurs thématiques. Et solidaire, la promotion de l'économie sociale et solidaire et la compréhension du comportement des acteurs dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire au Maroc. Et je veux remercier Monsieur Youssef Sader, président de l'OTS, pour cette invitation. Donc, c'est une occasion pour moi pour parler des jeunes, pour défendre point de vue des jeunes au niveau de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc on a déjà parlé sur le rôle des jeunes dans la promotion de l'économie sociale et solidaire et qui seront des promoteurs de cette économie dans le continent africain. Je remercie les organisateurs aussi, le JCF, et je remercie également chère présence. Merci, merci beaucoup Youssef. Donc, je te donnerai la parole tout de suite après pour étaler ta réflexion et ton expérience à ce niveau-là. Donc, Nadège. Vas-y, Nadège. À toi le micro. Il y a un problème de micro, je sais pas, c'est un problème de connexion, Nadège. Nadège, on t'entend. Il y a un problème de connexion, il me semble. Nadège? Wow. Y a un problème de connexion. M'entendez? Là, ça va mieux, oui. Allez-y. M'entendez là, ça va? Là, ça va. Là, ça va. D'accord. Allez-y, vous recommencez, hein, parce qu'on n'a rien D'accord. entendu auparavant. Voilà. Je suis Nadège Yedo, présidente de la Jeune Féminine. Je recommanderais de couper la vidéo peut-être pour faciliter la Oui, connexion. je vais
Voilà, arrêter la vidéo, ma vidéo aussi. Non, je pensais surtout à Nadège, en fait. Allô? Oui, Nadège. Il faut activer son micro peut-être. Alors là. Okay. J'ai demandé à Fabrice de reconnecter à nouveau pour Oui, très bien. Donc sur WhatsApp. J'espère qu'elle va régler son problème de. Je vais essayer de. Oui. Que nos amis règlent le problème d'ordre technique, on va essayer de, voilà, de poser les questions pour baliser la discussion et la réflexion autour de les questions de l'écosystème et de co-construction des politiques de l'économie sociale et solidaire en Afrique. Donc, comme vous le savez, donc je vais commencer moi, je vais prendre 5 à nos amis pour voilà, étaler leurs réflexions et expériences à ce niveau-là. Je pense, il me semble que plusieurs questions se posent au niveau de la co-construction des politiques de l'économie sociale et solidaire en Afrique. D'abord, au niveau de la formation des acteurs. Nous, à partir de mon expérience modeste, il me semble que aujourd'hui, on a fourni énormément d'efforts en termes de formation des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur les bonnes pratiques circulantes en la matière, notamment dans la sphère du mouvement national, international sur le green, des politiques de développement, comment rendre voilà, des pratiques vertes et les banaliser, les vulgariser dans les pratiques de développement durable au niveau du continent. Et que le problème qui se pose, c'est que l'essentiel de ces acteurs se concentre, comme les politiques de développement dans énormément l'essentiel des pays africains se concentre dans la capitale du pays, les acteurs se concentrent aussi dans la capitale du pays et l'essentiel des efforts de formation vont pour cette catégorie, pour ce groupe d'acteurs. Ce qui fait que les bonnes pratiques restent centrales et justement n'arrivent pas à se propager au-delà d'un cercle restreint en termes de territoire. C'est pour cela que nous avons inciter à une réflexion de territorialisation des politiques publiques, c'est-à-dire qu'il faut ne pas dicter, ne pas construire, ne pas concevoir les politiques de développement et les réflexions autour de l'économie sociale et solidaire au niveau central. Un écosystème local pour émerger, pour se renforcer et pour se consolider. Cette émergence et consolidation, c'est un processus long et complexe qui nécessite, bien entendu, un échange et un débat, une réflexion au niveau local et au niveau
endogène avec la participation de l'ensemble des acteurs dynamiques dans un territoire donné. Cette participation dans les pays africains, bien entendu, compte tenu des coutumes, compte tenu de l'histoire, compte tenu de la culture, compte tenu de la composition tribale parfois, ça consomme énormément de temps et d'énergie pour les acteurs, notamment pour les organisations internationales. Ce qui fait que aujourd'hui, il est temps d'anéantir les bases de ce qu'on appelle ce développement endogène à d'autres manières pour stabiliser, pour faire émerger des politiques de développement endogène et permettre à tous les acteurs d'y contribuer d'une manière ou d'une autre sans passer par tous les labyrinthes que la culture et l'histoire nous imposent. Et là, je pense qu'il faut aussi développer à côté de cette réflexion d'ordre culturaliste, c'est-à-dire qui insiste au sens plutôt figé du terme, il faut développer une logique dynamique qui permettrait justement d'allier, de joindre l'utilité des politiques de développement avec les besoins réels de la population. Donc, et ça, c'est une réflexion que je pense que les acteurs aujourd'hui présents ont toute l'audace de le mentionner, de le signaler, de le décrire et de le discuter également. Et il me semble que, voilà, on est amené à un moment donné à faire des choix par rapport aux moyens dont nous disposons, par rapport aux acteurs et la capacité en termes de capital humain, mais aussi par rapport aux besoins qui sont en perpétuelle augmentation. Aujourd'hui, l'Afrique compte une population très jeune qui n'a pas du tout les mêmes besoins que les générations passées. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, un certain nombre de politiques de développement sont aujourd'hui orientées vers le passé, alors que c'est dans le futur et pour le futur qu'il faut vraiment se Au niveau je mettrai l'accent sur la construction de l'écosystème. Dans l'écosystème, dans les pays africains, nous avons aussi un second problème d'ordre, je dirais, des notabilités. Les notabilités ou bien les pratiques notabilaires locales freinent un certain nombre d'initiatives, notamment des jeunes et des jeunes associations, des jeunes acteurs. Et malheureusement, quand on va un peu dans l'arrière-pays ou bien dans les zones enclavées, on constate qu'il y a des notabilités qui dominent et prédominent des territoires, des tribus et des espaces et des écosystèmes entiers. Et où tout l'écosystème passe par eux et toute la chaîne de valeur de production locale, comme des rapports sociaux, culturels de la région passe par ces notabilités. Donc maintenant, quel est le rôle de ces notabilités? Comment les destituer au sens sociologique du terme et permettre de créer de nouvelles dynamiques de développement, de changement social au niveau des pays africains? Et là, c'est aux associations des jeunes aujourd'hui et des femmes aussi, comme celles représentées par Nadège et Fabrice, ils ont le devoir de ne pas mettre une série d'actions et d'activités, parce que ça c'est important, mais le plus important c'est d'asseoir, de mettre ça, de le concevoir dans le cadre d'une stratégie. Elle passe inéluctablement par, entendu, bien entendu,
par une mobilisation des acteurs qui aspirent à ce que ce changement ait lieu dans leur pays, dans leur espace, dans leur tribu, etc. Ce changement passe aussi ce que dans les, la sociologie du changement, on parle du changement positif, c'est-à-dire que sans passer par la confrontation, par une vision frontale du changement, on peut aussi prescrire un changement positif. Le changement positif passe par des acteurs du leadership, un leadership qui est formé et imprégné par les valeurs de la, des enjeux réels qui aujourd'hui guettent l'humanité, à savoir le développement durable, le, comment rendre les politiques de développement vertes, et sans compromettre les autres forces de la nation et les autres ressources. Et là, je pense que c'est au niveau de cette jeunesse que l'on peut justement commencer à réfléchir sur les écosystèmes qui permettent aussi un dialogue entre le c'est le territoire au sens géographique, mais aussi un territoire au sens sociologique et anthropologique, c'est-à-dire les habitants de ce territoire, les pratiques, les cultures et les interactions qui sont déjà installées. Et pour déroger ces mainmises ou bien ces notabilités, moi j'appelle les notabilités au sens large du terme, si vous rentrez aujourd'hui à l'université, vous allez trouver des notabilités, c'est-à-dire des profs anciens qui sont les gardiens du tronc et qui veillent à ce que les anciennes traditions, les anciennes pratiques, les pratiques ancestrales restent et demeurent et s'imposent. Et c'est là où il y a un travail colossal au niveau des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais sans rester prisonnier de ce territoire. Et là, je pense que la clé de voûte de cette transformation, c'est le réseautage, c'est la connexion, c'est le capital social, c'est la capacité de mobiliser des acteurs qui ont le même objectif, qui sont inspirés par le même système de valeurs, justement pour aller dans un objectif commun, c'est-à-dire co-construit, comme le disent les Canadiens, la co-construction de ces politiques passe justement par ce leadership. Et ce leadership, il est mondial, il n'est pas africain. C'est-à-dire que moi, je suis en contact avec Fabrice et Nadège et Youssef et les autres acteurs, mais je suis aussi connecté avec Benjamin à Sioul, avec Sidi Ahmed Soussi à l'UQAM, avec Paolo. C'est-à-dire cette connexion permet de transférer le savoir et les techniques et les expériences d'une manière assez fluide pour renforcer les capacités de ces acteurs pour agir et les aider à agir positivement sur le territoire qui est le leur. Voilà, donc je ne veux pas monopoliser la parole, je donne tout de suite la parole à Nadège, si son micro est, le problème du micro est réglé. Et après je passe à Youssef. Donc on donne la parole à Nadège dans un premier temps. Bonjour Sid. Bonjour à tous. Bonjour. Ok Nadège, donc c'est à toi la parole. D'accord, merci beaucoup. Pour que vous répondez de ma problématique, il faut le dire, moi, en tant que président d'association qui lutte contre tout ce qui est VBG, c'est-à-dire violence basée sur le genre,
Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, surtout, nos autorités ou les acteurs de développement n'ont pas la bonne cible. Pourquoi et comment? Une activité qui donc, concerne le milieu rural qui se fait dans la capitale, c'est-à-dire Abidjan. Du coup, les personnes concernées ne sont pas vraiment ciblées, en fait, ne sont pas associées. Ça, c'est un problème que nous vivons. En deux, nos collectivités ou nos cadres de collectivités n'associent pas forcément les associations à leurs actions, à leurs activités. Ils n'associent pas forcément, c'est déjà notre bataille actuellement, parce que si nous sommes dans une dynamique où on organise des événements qui concernent la jeunesse féminine ou qui concernent la femme et on n'associe pas la femme, du coup, l'intention est bonne, mais l'action devient mauvaise en fait. Je ne sais pas si on peut comprendre. Deux, trois. Ici, en Afrique, surtout au milieu rural, parce que je suis beaucoup dans le milieu rural, nous essayons tant bien que mal de recadrer le potentiel féminin à travers l'entrepreneuriat. Donc, ces femmes que nous accompagnons sont des femmes majoritairement. Des actions en faveur de ces femmes-là, mais pas sur le territoire de ces femmes-là. Du coup, on a un problème d'aperçu de cette action-là. Voilà un peu ce que j'avais à dire pour le moment. Donc, je pense que si nos cadres ou bien nos politiques de développement se dirigeaient exactement vers la vraie cible, je pense qu'on aura vraiment résolu une large partie, une meilleure partie de notre continent. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Très bien, merci. Nadège, on reviendra vers toi au niveau de la discussion. Je donne la parole à Fabrice. Fabrice. Allô? Oui. J'espère qu'on m'entend. Oui, on vous entend. Très bien. Donc, vous coupez le micro et je donne la parole à Fabrice. On va revenir vers... Allô? Oui. Fabrice. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. Allô? Oui, Nadège. Oui, on vous entend. On va donner la parole Ne à... vous entends plus. On donne la parole à Youssef. Youssef Loux. Bonjour tout le monde. Merci, Bonjour. cher Youssef. Donc, j'aimerais bien intervenir au niveau de donner une problématique sur comment la co-construction des politiques publiques est devenue une idéologie au continent africain, voire une stratégie d'acteur. Plus rien, moi. Cette question, bien cette problématique, donc, reste une nécessité pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire au niveau d'Afrique. Donc, il faut mobiliser la co-construction afin d'avoir une bonne politique qui sera un espace de prise en charge de tous les acteurs qui dispose d'une expertise, des ressources pour finalement réussir toute politique publique d'économie sociale et solidaire. Donc,
renforcer les capacités d'acteurs à comprendre ces normes, à comprendre la construction, à comprendre la manière dont ils vont réagir pour construire finalement une politique publique d'économie sociale et solidaire. Et cette problématique va finalement réguler soit les politiques actuelles, la défiance des politiques actuelles, ou bien réorienter à nouveau les politiques qui sont déjà signalées ou bien déjà faites. Une capacité à renforcer. Et je demande aux acteurs qui sont présents actuellement, tels que Youssef Sader ou bien Sidi Ahmed Soucy, qui sont des experts au niveau de la compréhension des politiques publiques, à proposer une charte ou bien une feuille de route avec les autres partenaires comme GCF pour tracer une feuille de route afin de renforcer les capacités d'acteurs associatifs, d'acteurs publics et des acteurs privés même dans la co-construction des politiques publiques favorisant l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est mon premier axe d'intervention. Le deuxième axe, c'est le rôle des jeunes au niveau des politiques publiques de développement social ou bien de l'économie sociale et solidaire. Donc, il faut insérer les gens dans toutes les actions de préparation des politiques et de réalisation des politiques publiques. Insérer des jeunes dans le sens où ces gens ont l'impression d'être impliqués, bien impliqués dans l'affaire publique. Par exemple, dans notre expérience, en tant que jeune aussi, j'ai senti parfois que ces politiques sont faites pour nous et ne sont pas faites avec nous. Donc, c'est un problème idéologique, c'est un problème de pensée chez les décideurs publics. Quand on assiste dans les réunions, bien des comités de travail, tels que le comité de développement social d'NDH, par exemple, au niveau provincial. Donc, on a l'impression qu'on est une cible. On se participera. La participation est très limitée pour nous. Donc, c'est la première. Deuxième problématique, c'est qu'il faut mobiliser les jeunes à s'intégrer dans ce processus de co-construction des politiques publiques, à s'intégrer de façon 100%, à s'intégrer pour qu'elles soient responsables aussi et soient des décideurs au niveau de la co-construction, de la réalisation des politiques publiques de développement social. Donc, il faut changer le paradigme des acteurs publics. Finalement, il faut changer le paradigme des acteurs publics africains. Il faut comprendre comme Youssef et Sidi Ahmed Soucy ont déjà signalé une épistémologie du Sud, donc un contexte du Sud, un contexte africain, et pour finalement, ces politiques vont prendre la route de réussite. Bien sûr, un acteur public. Donc, c'est un acteur qui a une stratégie. Et bien sûr, la stratégie d'acteur doit aussi être touchée par la manière de co-construction et l'appropriation d'une politique publique du développement social ou bien de l'économie sociale et solidaire, finalement. Donc, une troisième chose, donc
Donc, finalement, on va la co-construire avec des autres acteurs. C'est l'occasion et existe au futur. Donc, la co-construction amène à l'appropriation, l'appropriation amène à la co-construction. Donc, c'est une régularité nécessaire pour les acteurs d'économie sociale et solidaire. C'est une régularité que c'est les acteurs tels que GCF, l'OPS, peuvent prendre en charge afin de réussir toute action publique. Donc, quatrième élément, donc c'est l'interaction. Donc, l'interaction, c'est d'ajouter, vient de renforcer chez les acteurs une capacité interactionniste à travers la compréhension de culture des autres acteurs, un peu l'équipe, à travers le renforcement d'esprit d'équipe, à travers une mobilisation des compétences en communication linguistique, des compétences de contacter, de recherche, de partenariat, de mobilisation. Donc, vraiment, la co-construction, si on veut penser à cette problématique, on peut toucher toutes les capacités nécessaires pour finalement un acteur soit capable, soit prêt à co-construire une politique publique de développement social. Donc, ces éléments, ces problématiques que j'ai déjà signalé, ce sont pour moi et pour des autres acteurs après des consultations, ce sont des enjeux nécessaires pour développer l'écosystème des acteurs sociaux au niveau africain. Donc, on partage même au Maroc, sinon, les acteurs marocains ils partagent même problématiques que les autres acteurs africains. Donc, Côte d'Ivoire, la Tunisie, par exemple, la Libye, le Togo, bien Sénégal, etc. Donc, la construction, c'est une compétence qui va bien sûr développer chez nous une feuille de route de la réalisation des objectifs de toute politique publique de développement social, bien d'économie sociale. Et solidaire. Et donc, et je tiens à féliciter chers intervenants pour l'intérêt de ces présentations et d'incitation aux acteurs à faire évoluer un constat de la co-construction dans l'écosystème des acteurs d'économie sociale et solidaire. Et je veux remercier cher professeur Youssef Sater. Merci Youssef pour cette intervention pertinente qui est pleine de questionnements, d'interrogations sur le sort des politiques de développement en Afrique. J'aimerais à ce niveau-là, avant de donner la parole à mon ami Sidi Ahmed Soussi, justement appeler l'auditoire, appeler tous les acteurs qui s'intéressent à l'Afrique, de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps d'évaluer toutes ces ce qu'on appelle sa démarche participative dont on a parlé, dont on a essayé de vendre ou bien de marketer un produit de démocratie un peu déraciné, comme je l'appelle dans beaucoup de cas, et qui ne permet pas justement d'asseoir de réelles dynamiques de développement endogène des pays africains. C'est-à-dire que l'utilisation des démarches participatives, on n'en manque pas en Afrique, on l'entend dans tous les discours, on l'entend, on le voit dans tous les slogans, dans toutes les banderoles des rencontres, des événements, mais est-ce qu'il s'agissait vraiment d'une réelle participation qui mène à la co-construction.
Mais pourquoi ces gens-là, ces acteurs-là, ils vont s'asseoir et participer dans ces événements et contribuer dans ces événements et légitimer aussi ces événements sans pour autant plaider pour une réelle contribution dans la construction et la conception des projets de développement. Ce sont ces questions qui guettent aujourd'hui tous chercheurs ou bien observateurs qui suivent un peu de près ce qui se passe dans les pays africains. Donc, l'acteur lui-même est aussi responsable de l'état actuel des choses. Donc, je donne la parole à mon ami Sidi Ahmed Soussi. Il va aussi traiter ça de son côté comme un des chercheurs éminents qui ont travaillé sur l'acteur syndical. Il est professeur à l'UQAM à Montréal et qui est aujourd'hui un des chercheurs qui plaide et qui développe, on le développe ensemble, une réflexion sur les épistémologies du Sud. Et toute cette réflexion va de pair avec notre objectif épistémologique, c'est de déconstruire et reconstruire les paradigmes autrement pour comprendre des réalités opaques. Donc, à toi la parole, mon ami. Donc, tu peux activer le son, Sid. Oui, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ça Très bien, Oui, bonjour. parfait, parfait. Bon, ben écoutez, ben, je m'excuse d'abord d'être arrivé en retard pour des raisons de décalage horaire. Une partie des interventions et j'aurais voulu en entendre davantage, mais je vais essayer de faire quelques commentaires à partir de ce qui vient d'être dit. Peut-être, je commencerai d'abord par trois petites remarques sur l'économie sociale et solidaire pour éclairer les choses. Peut-être que dans l'économie sociale et solidaire, il y a social et il y a solidaire. C'est-à-dire que le défi des entreprises ou des organisations sociales et solidaires est d'une part de produire de la valeur dans un contexte et à vocation non économique, économie sociale. Et dans un contexte de solidarité, c'est-à-dire d'en tourner et créer de la valeur, mais sans que cette valeur soit tournée exclusivement vers le profit individuel. Et donc ça, c'est deux énormes défis historiques qui sont attachés à du Sud. Il n'y a pas que dans les pays du Sud, en Afrique, par exemple, où mener de pair ces deux caractéristiques propres de l'économie sociale et solidaire est difficile. Donc, dans les pays du Nord, c'est également le cas. Autre problème, autre constat, autre défi majeur aussi qui est vraiment inhérent à ces solidaires, c'est la démarche co-constructive. La démarche co-constructive implique de travailler avec des acteurs comme l'État, d'une part, qui n'est pas toujours présent, qui ne répond pas toujours présent, et ça, ce n'est pas simplement en Afrique, c'est en Afrique et dans les pays riches, c'est exactement le même problème aussi, mais implique aussi de co-construire avec d'autres acteurs, pas publics et non publics. Et là aussi, c'est extrêmement difficile. Alors, pour ce qui concerne les pays africains, par exemple, aussi, la construction implique des acteurs qui soient, comment dire, qui, dont les intérêts doivent croiser ceux des organisations d'économie sociale et solidaire. Pour qu'il y ait une co-construction, il faut que les organisations d'économie sociale et solidaire les syndicats autonomes, par exemple, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, etc. Donc, ce sont ces organisations-là qui sont potentiellement intéressées par la co-construction. La co-construction, c'est pas, ne relève pas d'une volonté simplement naturelle. Elle relève d'une volonté
politique, ces organisations. C'est-à-dire qu'une organisation de femmes qui a intérêt à travailler avec d'autres organisations, d'autres entreprises d'économie sociale et solidaire, doit y trouver son compte aussi. Ce n'est pas uniquement pour dans un contexte de solidarité idéologique. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, il faut faire croiser les intérêts. Donc ça, c'est un deuxième défi majeur des organisations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Côte d'Ivoire, ou que ce soit ailleurs en Haïti, par exemple, qui dépasse le contexte africain et qui est malheureusement encore caractéristique d'une très grande partie des pays du Nord. Mais pour ne pas prendre trop la parole, j'aimerais juste insister sur un point actuellement. Un des défis majeurs aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire, c'est sa capacité à s'adapter au contexte contemporain de l'économie. Comme nous le savons tous, c'est un contexte marqué par les technologies numériques. Et surtout, c'est un contexte marqué par une économie de plateforme dans laquelle la création de la valeur se fait dans le contexte des entreprises dites de plateforme. Quand je parle des entreprises de plateforme, je parle peut-être d'entreprises comme Amazon, à vocation numérique. Et or, une des armes aujourd'hui, une des armes technologiques qui est de plus en plus maîtrisée par les jeunes, en particulier en Afrique, qui sont formés, et mais qui ne trouvent pas d'emploi, c'est précisément celle-là. Et donc, à mon avis, tout à l'heure, mon collègue Youssef Loux parlait d'une charte. Ce n'est pas une si mauvaise idée que de penser à une espèce de feuille de route globale dans laquelle on aurait deux ou trois objectifs à fixer et dans lesquels on pourrait s'investir. Et parmi ces deux ou trois objectifs, il y a cet élément-là, l'adaptation au contexte économique contemporain de l'économie moderne actuellement qui est celui. Et je pense que on le voit dans des pays du Nord, par exemple au Canada, on le voit dans des pays comme l'Allemagne, dans des pays comme la Norvège, les organisations d'économie sociale et solidaire se tournent de plus en plus vers ce secteur-là. Et ce n'est pas par hasard, parce que ce secteur-là, de l'économie de plateforme, c'est un secteur qui est porteur de valeur, de création de valeur de façon beaucoup plus efficace que les autres secteurs. Cette économie-là, l'économie de plateforme, est une économie qui devient de plus en plus dominante, envahissante. Ce n'est pas un hasard si les économies du Nord se plongent tête baissée dans ce type d'économie. Donc, les entreprises et les acteurs aujourd'hui d'économie sociale et solidaire pourraient, je devrais dire, devraient prioriser. Il faudrait viser à impulser de nouvelles entreprises à ce niveau-là, mais surtout tourner tous leurs efforts de co-construction d'économie, de politique publique, d'action publique et de co-construction d'action collective vers ce secteur-là. Parce que sinon, ça nous échappe. Moi, je vous donne un exemple. J'ai une étudiante de doctorat en Haïti qui travaille sur ce secteur-là. Et là, par exemple, dans un pays comme Haïti, c'est une grande entreprise de téléphonie qui a décidé de recruter des jeunes, des filles, des garçons, des jeunes, pour travailler en télécom. Et au lieu de les employer comme un emploi, par exemple, on les considère chacun comme une entreprise individuelle. Et surtout en baissant leur rémunération et sans aucun lien d'emploi. C'est-à-dire qu'à la cette entreprise de télécom étrangère qui s'installe en Haïti dispose d'une main-d'œuvre formidable, corvéable à merci, sous-payée, pour se développer elle-même et créer de la valeur, mais une valeur privée, évidemment, pour gonfler ses actions. Or, il se trouve qu'une partie de ces jeunes se sont organisés dans le cadre d'une coopérative et ont réussi à avoir la maîtrise d'une petite entreprise coopérative de recharge des téléphones mobiles, par exemple, si c'est leur cas, et qui fonctionne, qui tourne. Alors, bien entendu, l'objectif est modeste pour le moment, mais rien n'empêche qu'ils puissent augmenter en importance, puisque
sa réalisation a été possible. C'est un peu comme quand vous construisez, devient plus et plus, l'expérience devient plus importante, plus nombreuse. Et donc, moi, si j'ai quelque chose à proposer à cette rencontre aujourd'hui, ce serait que, nous continuions la réflexion, comme on l'a commencé déjà avec mon ami Youssef, sur les épistémologies du Sud, c'est-à-dire sur la capacité des acteurs des pays du Sud rationalité dans l'action, et notamment pour ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire ne pas attendre que ça vienne du Nord, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, mais prendre des décisions locales, c'est-à-dire endogénéiser l'action, d'une part, donc ça c'est en termes de stratégie d'action, mais surtout en termes de choix de secteur d'activité. Personnellement, moi, je pense qu'il faut prioriser l'économie. Dans l'économie moderne aujourd'hui, les jeunes africains connaissent Internet, connaissent plusieurs logiciels, connaissent les applications, ont la maîtrise du téléphone mobile, ont la maîtrise d'iPad, ont la maîtrise d'ordinateur. C'est une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre scientifiquement déjà éprouvée et qui peut contribuer de façon majeure dans ce secteur de l'économie de plateforme. Alors moi, j'aimerais bien qu'on puisse lancer ce débat-là là-dessus, parce que sinon, l'Afrique va se retrouver encore en retard, avec un énorme retard, concernant l'économie de plateforme, alors que c'est le secteur porteur d'avenir aujourd'hui. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre ou pas, cher Youssef, tu pourras peut-être... ou si quelqu'un d'autre a quelque chose à proposer à ce niveau-là. Mais personnellement, je me permets de développer les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je m'arrêterai là. Merci, chers amis. Merci, cher ami Sid. Effectivement, la question du secteur d'activité pose problème, mais ce n'est pas uniquement un simple choix du secteur d'activité, c'est un changement de la démarche et de la méthode que les acteurs de l'économie sociale et solidaire vont pouvoir se mobiliser autour d'un territoire et autour d'une problématique qui est à la fois la lutte contre la marginalisation, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la vulnérabilité, la lutte contre le chômage, etc. Ce sont aujourd'hui les vraies questions qui guettent aujourd'hui ces populations et à laquelle les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent apporter une réponse. Et la réflexion autour des plateformes des nouvelles technologies, ce n'est pas un luxe, aujourd'hui il nous est imposé de réfléchir à cette perspective et dans cette perspective, parce que malheureusement beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire restent dans la logique de ce qu'on appelle la valorisation des produits terroirs. Oui, d'accord, c'est important. Ça donne aussi une gestion du patrimoine assez conséquente, etc. Mais aujourd'hui, il y a toute une jeunesse qui, tu l'as bien dit, Sid Ahmed, qui est formée, qui a l'accès aux nouvelles technologies et qui peut profiter. Il faut juste créer de la dynamique collective et ce qu'on appelle l'intelligence collective pour proposer des produits aussi bien au niveau local comme au niveau international. C'est l'importance des plateformes aujourd'hui, c'est qu'ils te mettent une enclave de frontières assez conséquente entre le local et le mondial ou bien le global. Donc, et cette capacité de rapidement en un clin d'œil, ça permet aussi de se comparer, de faire le benchmarking, de comprendre comment les expériences des autres. Et là, je te remercie infiniment. Je donne la parole à Fabrice avant de garder quelques minutes à la fin pour une discussion avec tout l'auditoire. Fabrice, tu es là? Est-ce que le problème est réglé? Oui, vas-y Fabrice, on t'écoute.
Oui, Fabrice. Fabrice. Oui, vas-y, vas-y, Fabrice. On t'écoute. Donc, malheureusement, Fabrice, voilà, on a un problème technique de son avec Fabrice et on n'arrive pas à le régler. Je donne la parole tout de suite à l'auditoire s'il y a des questions à poser pour enrichir la réflexion autour des premières présentations de nos invités. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, c'est Héros, je pense qu'il y a une... Oui, c'est... Okay. Voilà, on reviendra, on donnera la parole à Nadège tout de suite. Après, juste donner une ou deux questions de l'auditoire et après on redémarre avec les intervenants. J'espère que vous me recevez maintenant, ça va? Ah, très bien Fabrice, vas-y. Okay, donc, merci à tous. Et donc, j'aimerais remercier comme ça les organisateurs de cette conférence. Il faut dire au niveau de la... Et donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons mis en place non seulement une plateforme, parce que pour nous, c'était très important, puisque avec l'avènement de la COVID-19 et aussi bien d'autres problèmes qu'il y avait au niveau de notre pays, pour nous, il était important de nous doter d'un outil performant adapté aux normes de développement actuelles, servant à la fois d'outils d'information. Il permet non seulement d'identifier non seulement il y a des problèmes de voirie, de route, puisque par moment, il y a certaines zones qui ne sont pas accessibles, et aussi certains acteurs par moment qui, non seulement sont dans des zones de production, qui font des productions abondantes, mais qui ont des problèmes pour pouvoir écouler leurs produits. Et donc, il y a ce problème dans un premier temps. Et donc, comme deuxième problème, avec la question de la COVID-19, qui a fait qu'arrivé un moment, il y avait la question de distanciation sociale. Et donc, les acteurs, avec cette distanciation sociale, était encore confronté à un certain nombre de problèmes parce que le marché, du coup, c'était devenu très compliqué avec la fermeture de certaines frontières. Et donc, nous qui sommes dans une zone frontalière avec le Libéria, et cette zone, c'est dans le département de Tulupe, c'est-à-dire dans la région du Cavali. Et donc, pour nous, en tant que jeunes, il fallait réfléchir, voir en termes d'innovation, qu'est-ce qu'il fallait proposer. Et donc, nous sommes dit comme ça, OK, donc il faut proposer, par exemple, une plateforme digitale et donc une plateforme numérique et physique. Et donc, nous, il était important déjà de pouvoir mettre en place et concevoir la charte et aussi le cahier des charges. Et donc, après le cahier des charges, il fallait maintenant développer cette plateforme. Et donc, au-delà de cela, nous savons qu'aujourd'hui, en termes de taux d'analphabétisation au niveau de l'Afrique est vraiment énorme. Et certains, même quand ils sont allés à l'école, aujourd'hui, ne sont pas maîtrisés, ils ne maîtrisent pas l'outil. Et donc, ces personnes aussi sont considérées comme des analphabètes. Et donc, pour nous, il était important de pouvoir nous donner le et donc, à travers des formations en économie sociale et solidaire, c'est-à-dire sur les principes et valeurs de l'économie sociale et solidaire, les former dans un premier temps parce que par moment, certaines coopératives ou certaines structures, certaines associations ont des problèmes de gouvernance, mais ils ne maîtrisent pas un certain nombre de démarches. Donc, pour nous, il était important déjà de former ces acteurs en ce sens, mais aussi concernant la coopérative, puisque nous sommes dans une zone où il sort d'un moment de conflit, et donc au niveau de la cohésion sociale, au niveau de l'appel à réconciliation, il y a énormément de défis. Et donc pour nous, nous savons que l'économie sociale et solidaire, à travers par exemple le modèle coopératif, non seulement permet de pouvoir éduquer en valeur coopérative, vivre ensemble et dans la co-construction. Donc il fallait aussi former ces acteurs en ce sens. Et bien, au-delà de cela, il y a aussi certaines alternatives pour la finance sociale. Et donc, il fallait aussi avoir des modules de formation en ce sens pour pouvoir renforcer la capacité des acteurs en ce sens. Oui, aussi bien je vais avoir les images. Hein. Le commerce équitable, digital, tout ça. Et donc, au-delà de cela, en plus de l'outil digital, il fallait aussi établir un cadre d'échange et de collaboration entre les partenaires au développement, c'est-à-dire
certains partenaires que nous avons mobilisés, tels que le GICEF, tels que COICA, bien d'autres partenaires, et d'où nous qui mettons en œuvre le projet depuis et dans cette zone. Donc, il fallait voir comment établir un cadre d'échange et aussi avec les autorités locales. Partager non seulement des opportunités, mais partager aussi, voir comment orienter en fait la gestion de cette plateforme digitale. Parce que cet outil, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un outil non seulement de transaction, mais pour nous, ça nous sert d'outil en termes de pouvoir non seulement identifier sur les territoires et les opportunités. Puisque à travers cet outil, au niveau des territoires, les acteurs mettent l'offre. Et aussi, certains acteurs qui ont besoin, par exemple, de certains denrées alimentaires ou d'un certain nombre de produits, font leur demande via cette plateforme. Et du coup, ça nous permet de voir la loi de l'offre et la demande et de voir un peu comment est-ce que ça pourrait, en termes de chiffres, en termes de chiffres statistiques fiables, que nous mettons à la disposition des décideurs, nous mettons à la disposition des collectivités, nous mettons à la disposition de l'ensemble des acteurs. Mais en même temps, aussi, après, lors de ces rencontres, ça nous permet de pouvoir établir des rapports et voir, dans le cadre d'un plaidoyer, voir comment mobiliser certains partenaires au développement pour des investissements à impact. Et donc, et c'est ce que nous essayons plus ou moins de faire. Et donc, il faut dire que cette démarche nous a amené aussi, toujours dans le cadre de la recherche, de la mise en place de ce cadre d'échange et de collaboration. Au-delà de l'aspect régional, nous sommes allés au niveau national. Et donc, pour nous, il était important, toujours dans le cadre des échanges avec les autorités, il fallait amener les acteurs qui étaient non seulement marginalisés au début, qui étaient dans des zones reculées au début, les emmener sur la scène nationale et pour voir ensemble comment est-ce que nous pourrons mener cette coalition, comment nous pouvons ensemble mener ensemble ce combat-là pour le plaidoyer à l'endroit des décideurs. Et donc, nous avons organisé un forum international qui a réuni plus de 7 pays. Et aussi, au niveau des régions de la Côte d'Ivoire, sur les 31 régions, nous avons pu mobiliser 16 régions qui se sont déplacées et d'où les conseils régionaux, c'est-à-dire les collectivités au niveau de ces différentes régions, ont réussi aussi à mobiliser les jeunes entrepreneurs, mobiliser les coopératives ou les associations de jeunes ou de femmes pour leur permettre de faciliter leur participation à ce forum. Et donc, à ce forum, il y a une déclaration qui est sortie du forum. Et donc, nous sommes tous entendus pour voir comment est-ce que l'ensemble de ces acteurs, nous pouvons continuer à collaborer à travers cette plateforme qui est pour nous une plateforme d'affaires et d'où et continuer. Donc, ces résultats, nous avons obtenu un certain nombre de résultats. Et ces actions nous ont permis de pouvoir non seulement permettre c'est-à-dire des relations de collaboration et d'échange, permettre à ces acteurs-là d'avoir des relations de collaboration et d'échange et au niveau commercial, entre les organisations de l'économie sociale et solidaire, les producteurs, les acheteurs. Et donc, ça nous a permis de renforcer cela. Et aussi, bien sûr, au niveau du Cavalli, et déjà, nous avons pu quand même créer un circuit court. Et donc, les acteurs qui ne collaboraient pas avant, ils ont vu qu'ils peuvent, au niveau local, trouver la synergie. Et donc, par exemple, un producteur peut, par exemple, avec le maïs ou avec son riz, après avoir décortiqué avec les résidus, pourrait, par exemple, remettre à quelqu'un qui fait de l'élevage de poulets et autres pour que ces poulets puissent se nourrir avec ces produits naturels. Et donc, avec tout ça, nous avons pu quand même créer ces relations entre ces différents acteurs pour qu'ensemble, ils puissent s'entraider. Mais au-delà de ça, permettre à ces acteurs au niveau local se sont rendus compte que les produits dont ils partaient acheter à Abidjan, partaient acheter un peu plus loin, ils se sont rendus compte que ces produits existent sur leur territoire. Donc, ces résultats. Et donc, aussi, comme autre résultat, ça nous a permis aussi de pouvoir et aussi établir, renforcer un écosystème autour de l'emploi. Ça a été renforcé dans. Ou en termes de politique publique
dans le cadre de la gestion au niveau du conseil régional ou de la collectivité, nous continuons toujours ce plaidoyer de sorte à ce que, quand ils veulent, par exemple, financer des projets de jeunes, quand ils veulent, par exemple, financer un certain nombre de projets, à travers ces chiffres, ça leur permet d'être orientés à quel niveau ils pourraient et faire les investissements où ils pourraient intervenir pour le bonheur, bien sûr, de ces communautés. Et donc, pour terminer, je pense que nous avons en perspective, toujours et avec les résultats obtenus et aussi avec les recommandations lors de ces différentes sessions, de ces différentes rencontres, donc pour nous, les acteurs vraiment ont vraiment souhaité que nous puissions les aider non seulement à pouvoir obtenir des petits fonds, des financements ou et le matériel des intrants pour leur permettre de mieux redémarrer leur activité. Et aussi pour certains qui sont en manque d'emploi, certains jeunes, pour pouvoir créer des emplois pour eux. Donc, nous continuons de mobiliser d'autres partenaires au développement pour nous permettre non seulement de pouvoir financer ou encore de pouvoir appuyer ces acteurs-là, mais avec les membres du comité, nous sommes dit qu'il était important de mettre en place un système de finances sociales. Et donc, nous y travaillons puisque... ça va nous permettre, à travers cet outil, d'avoir plusieurs services. Et donc, le système de finances sociales, ça va nous permettre de répondre aux besoins de financement des organisations d'économie sociale et solidaire. D'où, les jours à venir, nous allons aussi voir mettre en place une charte communautaire, puisqu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de cadre juridique concernant l'économie sociale et solidaire en Côte d'Ivoire. Et donc, pour nous, il est important de mettre en place un cadre, c'est-à-dire une charte. Et donc, cette charte-là, l'ensemble des acteurs qui sont au sein de notre écosystème doivent respecter ces chartes, ils doivent aussi travailler en respectant ces différentes lois et qui vont être mises dans cette charte. Et donc, nous y travaillons les jours à venir. Et je pense aussi bien que nous allons désormais associer l'Observatoire des transformations sociales et aussi M. Soucy, puisque pour nous, il est important de pouvoir aussi mesurer l'impact. Et donc, en termes de mesure d'impact, comment il faut travailler sur ces questions pour voir l'impact réel de l'action qui est menée dans notre région. Et donc, c'est ce que je pouvais dire. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette intervention très riche sur un cas de figure de la dynamique engendrée par un des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Afrique, dans un des pays les plus actifs en termes de mobilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et la Côte d'Ivoire, donc ça fait vraiment plaisir. Donc, avant de clôturer cette session, il nous reste encore 7 minutes. Je donne la parole à l'auditoire. C'est pour des questions, des remarques ou bien des petites interventions rapides à l'ensemble des acteurs de contribuer d'une manière ou d'une autre. À vous la parole, s'il y a des questions. Donc, il y a une question posée par M. Mourkit, donc dans le chat, donc qui mentionne que d'après votre position en tant qu'universitaire ou praticien à la fois, est-ce qu'on peut dire que tous les ingrédients sont là pour parler de politique publique et en économie sociale et solidaire ou d'autres choses qui sont loin de politique? OK? Est-ce qu'il y a d'autres... de Ahmed Mourkit qui est également présente sur le chat. OK. Et donc, je voudrais quand même rebondir sur ce que vient de dire M. El Mourek. Il faut dire, en termes de politique publique, ces politiques doivent se construire, en fait, et ça prend du temps. Et donc, au niveau de la gouvernance, c'est, par moment, c'est là le vrai souci, en fait. Et donc, concernant l'économie sociale et solidaire, nous qui sommes dans des États où il n'y a pas encore de cadre réglementaire ou de cadre juridique,
pour nous, c'est important de démontrer à travers des actions concrètes sur le terrain. C'est pourquoi et nous sommes beaucoup plus tournés vers le partenariat public-privé communautaire. D'où il faut prendre en face les collectivités, certains services de l'État et aussi et certains acteurs qui sont dans l'entrepreneuriat social, voire et certaines entreprises sociales, et aussi au niveau des organisations de la société civile qui sont encore plus proches des populations, qui sont dans la population. Et donc, en mettant en place ces cas de suivi, nous accorder sur un minimum. Mais en même temps aussi, pour servir et aussi de moyens pour pouvoir faire des plaidoyers à l'endroit de ces décideurs qui participent à ces cas de rencontre. Et ça permet à ces décideurs de comprendre les réels problèmes, mais tout en incluant dans ces communautés les personnes vulnérables. Et donc, à un moment, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des jeunes, ça peut être aussi des femmes. Et donc, ça permet à ces personnes de pouvoir prendre la parole, de pouvoir aussi partager en termes de besoins, comment permettre à ces décideurs d'orienter en fait leur politique, d'orienter leur stratégie, de faire des investissements, de pouvoir contribuer ensemble. Donc, c'est une co-construction au niveau des territoires. Et donc, à ce niveau, c'est ce que je pouvais dire. Et donc, en termes de politique publique, c'est quelque chose qui se construit. Et donc, nous pensons que pour l'instant, c'est des stratégies que nous proposons. Et donc, ces stratégies au niveau régional, bientôt, ça pourrait être un plan qui pourrait être adopté par la collectivité, c'est-à-dire le conseil régional, puisque déjà nous travaillons avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, et donc qui est en train de voir quelle stratégie, voir comment ensemble nous allons porter ces plaidoyers un peu plus haut pour que ces rencontres d'échange, ces partages soient vraiment instaurés. Et donc, c'est ce que je pouvais dire pour l'instant, et c'est là aussi la force des acteurs de terrain. Très bien, Fabrice. De rôle aux intervenants de réagir rapidement. On a encore 3 minutes avant de clôturer la session. Donc, Youssef qui lève la main. Vas-y, Youssef. Donc, merci, cher Youssef. Donc, j'aimerais poser une question sur la rationalité digitale. C'est donc ce qu'il a dit déjà, monsieur Soucy, les capacités d'acteurs. S'orientent vers la digitalisation. Donc ici, au Maroc, par exemple, donc il est très limité au Maroc parce qu'on n'a pas encore un vrai registre social au niveau digital. Donc c'est un projet d'avenir au Maroc. Deuxième, la cible au Maroc n'a pas la capacité digitale ou bien les moyens technologique pour exploiter cette solidarité entre parenthèses digitale. Donc le contact est très limité au niveau technologique chez nous, par exemple au Maroc, particulièrement pour la cible. Donc si vous avez des propositions pour l'amélioration, soit la réalisation des projets, soit la mise en place d'une solidarité digitale. Donc, et l'essentiel, c'est que nous, en tant que des acteurs, donc, comment persuader un partenaire par au moyen de à distance, au moyen des rapports à distance, au moyen de réalisation des activités, l'envoi des photos, des activités en ligne, etc. Comment persuader finalement un acteur à financer une telle action? Et je vous remercie infiniment. Merci Youssef. Donc la parole à Sid Ahmed Soucy en une minute. Oui, très, très rapidement. Là, je voulais réagir juste tout à l'heure sur la du lien avec l'État et de l'action publique. Je pense qu'en Afrique et dans les pays du Sud, plus qu'ailleurs, le lien avec l'État doit être examiné avec beaucoup de prudence et que comme l'a dit tout à l'heure Fabrice et d'autres intervenants, l'essentiel, c'est de travailler sur le terrain, c'est d'ancrer les expériences, de les solidifier sur le terrain. Il n'y a rien à attendre, je ne dirais pas qu'il n'y a rien à attendre de l'État, mais l'État dans beaucoup de pays du Sud
peut agir à double, comment dire, peut avoir un effet pervers. Lorsqu'une expérience fonctionne, l'État, c'est-à-dire les gouvernants politiques, les décideurs institutionnels, ont tendance à s'approprier ces expériences pour les bureaucratiser et les attirer vers et les attirer dans leur propre nacelle. Alors que l'essentiel dans les entreprises d'économie sociale et solidaire, c'est précisément de maintenir non seulement leur autonomie, mais aussi leur capacité de reproduction et de développement. Donc, de ce point de vue-là, il faut toujours voir le lien avec l'État comme un lien, comme un lien instrumental pour utiliser l'action publique, mais non pas pour compter sur l'État pour se le montre très clairement, et dans le pays du Sud, toutes les recherches qui m'ont été données de voir là-dessus le montrent aussi clairement. Deuxième et dernier point, cher Youssef, c'est qu'il faut absolument continuer ce travail que tu as lancé, cette initiative-là, de ce type de rencontre, pour se donner une feuille de route. C'est de commencer par se donner rendez-vous pour la suite des choses. Je trouve que c'est très, très important de continuer à multiplier ces échanges-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire compte tenu du temps. Merci. Merci beaucoup, cher ami Sid. Je donne la parole à Nadège. Nadège, tu m'écoutes? Vas-y, Nadège, si tu peux réagir par rapport à la réflexion menée par nos collègues. Vas-y, Nadège. Oui, Youssef, juste Youssef. Allô? Il va falloir malheureusement arrêter. Clôturer la session. Donc, juste rapidement, deux minutes. Oui, deux minutes. Deux minutes, c'était prévu. Non, c'est Nadège, vas-y. Nadège. Allô? Je Nadège. Confronté à un problème de réseau. Tu m'entends? Ah, malheureusement. Nadège, oui. Vas-y. Nadège, oui. On t'entend, vas-y. Je pense que nous sommes au terme de notre séance. Désolé pour la connexion. Je pense qu'en tant que leader, nous sommes plus dans la pratique, en fait. Des personnes que nous gérons, nous sommes toujours auprès de la jeunesse. Mais il faut dire que c'est bien de faire des propositions, c'est bien de faire des recherches sur l'économie sociale, la jeunesse, tout ça. Mais il faut vraiment vivre au quotidien de ces, pour vivre le quotidien de ces personnes-là pour voir réellement qu'est-ce que ces personnes, quel est leur vécu en fait. Ces personnes sont vraiment des personnes qui ont vraiment besoin d'être accompagnées. Nous, en tant que leader, nous avons créé l'association juste pour contribuer au recadrement du potentiel féminin. Et nous essayons, tant bien que mal, de faire ce qu'on appelle e-tonting. Nous essayons de les aider à se reprendre. Leur foyer, elles ont des enfants à charge, d'autres travaillent de moins très difficile. Et on n'a pas de soutien, mais on essaie quand même de les recadrer en développant en elles le côté entrepreneurial. On les apprend à se prendre en charge, on les apprend à créer des petites entreprises, tout ce qui est arrivé du manioc, surtout des chips, des croquettes, que nous faisons sur fonds propres et avec nos propres moyens, en fait. Aujourd'hui, notre difficulté,
c'est qu'on n'a pas d'appui, pas forcément financier, mais appui, un soutien moral pour emmener ces femmes-là à vraiment sortir le meilleur d'elles. Et c'est vraiment l'appel que je lance à tous les intervenants, à tous ceux qui peuvent nous accompagner dans ce sens-là, à vraiment aider ces femmes-là réellement à vivre. Et vraiment, je pense que parlant même de la technologie, quand une femme n'est pas éduquée, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ce sera difficile pour elle de pouvoir vraiment s'approprier le domaine de la technologie. Donc, c'est un peu mon plaidoyer en faveur de ces femmes-là. Si, et les personnes qui nous accompagnent, généralement, on a plusieurs projets et je voudrais remercier déjà M. Bal à vraiment apporter un petit plus à vraiment la situation que ces femmes-là vivent. Merci à tout le monde et puis bon, nous nous reverrons certainement très prochainement. Merci, merci beaucoup Nadège. Désolé de vous interrompre. Nous étions appelés par le comité d'organisation pour arrêter la session parce que notre session fait partie d'un grand forum de l'économie sociale et solidaire organisé à Mexico. Donc, c'est dans ce cadre pour fêter l'anniversaire de l'indépendance du Mexique. C'est un très grand plaisir d'avoir ce parterre d'intervenants, de gens pour contribuer à la réflexion. On va organiser d'autres rencontres très prochainement, c'est promis, pour justement permettre d'avoir un retour sur expérience et réfléchir ensemble à des démarches la co-construction des politiques de développement et dans une perspective d'épistémologie des Suds. Donc, je tiens à remercier Sid Ahmed Soussi. Merci beaucoup. Je sais qu'il fait très tôt à Montréal, mais malheureusement, c'est comme c'est un forum mondial. Et par Séoul, et nous sommes appelés aussi à céder la parole à d'autres sessions. Je vous invite à suivre toutes les activités du forum qui sont affichées sur le site du Global Social and Economic Forum. Je tiens à remercier Youssef Loux qui s'est mobilisé pour la réussite de cet événement. Nadège et Fabrice, merci beaucoup de nous apporter votre expérience. On va certainement réfléchir et à vous inviter à travailler avec nous parce que nous avons comme projet de publier un livre et solidaire dans les perspectives des épistémologies du Sud. Et ça, c'est une proposition que j'ai faite au Global Forum and Economic, Social and Economic Forum pour travailler dessus. Et je remercie tout l'auditoire de nous avoir grain de sable dans cet édifice. Merci à tout le monde et je vous dis